l'actualité a c'est surtout visite secrétaire d'État américain hein, entre américain a fait dans Moyen-Orient côté de prolonger séjour jusqu'à pratiquement mercredi pour le Caraboué justement ouais ça va passer parce qu'on a appelé que Israël proposer proposer à Hamas un plan un cessez-le-feu avec espoir que capable libérer otages et puis dans le deuxième point qui a dominé l'actualité à tout c'est que étudiants continuent à manifester aux États-Unis avec en Europe et contre la guerre que Israël a menée sous dans le territoire Gaza et puis dans le pays d'Haïti et ce, d'après un communiqué ministère communication et culture est publié mais fait qu'on est que et très probablement conseil présidentiel là et bien il est capable bien désigné ou bien voté en faveur du président Suensa, si c'est pas ta mardi 30 avril là. Dans le programme de minute actuelle, nous saluons, nous merci de faire que vous êtes aujourd'hui à ces premiers sorties nous. Et pour ce maintenant, eh bien, l'actualité a mené nous d'abord dans le pays d'Haïti, côté ministère culture avec communication, annoncé conseil présidentiel transition, hein, bien, il est capable de désigner un nouveau dirigeant Suensa même, si c'est pas mardi 30 avril là, Yves Manuel. Hello Yves. Et voilà. Il y a une difficulté technique qui empêchait que nous tendions le reportage Emmanuel là fait sur exactement ce qui a passé dans le concert là. Le concert a dit bon, il y a une tractation à marcher. Samedi, le concert a été réuni, il a été discuté entre eux. Et il y a une possibilité pour qu'ils font un vote, mais celle ça a sorti là dans les, c'est yon, très probablement ils sorti avec un comité électoral. Est-ce que nous parlons pour le reportage Emmanuel là? On a regardé pour nous. Élection qui t'a dû aboutir à choix président conseil présidentiel transition programmé pour 30 avril 2024 là, en présence la presse à représentant secteur signataire accord politique. Une rencontre qui réunit 8 sur 9 membres conseil pendant week-end là, débouché sous formation une commission électorale qui formait de deux branches non votants à qui ont l'autre membre qui n'est même pas candidat dans l'élection. En cas de majorité absolue, 4 sur 7 dans le premier tour, il y a un candidat qui a déclaré vainqueur. Sinon, un deuxième tour prévoit avec oui. Même procédure photo selon un document qui est élaboré bon côté membre conseil présidentiel là. Tête chargée mais quand ça lié là pour quatre présidents ou quatre candidats à la présidence sous 7. Quand ça lié là mon Dieu. Quand ça mes amis. Quand ça lié là pour quatre présidents là-dedans. Hey, quatre présidents. À la côté nous coquin. À la fin, il faut que nous chaque fait petit coup sous chaise là. Dans l'ice président pays d'Haïti, pour dire président est tel, trois mois, c'est moi, c'est pas. Mais nous croquons nous sans honte. Let's go! Conseiller, yo également mettez d'accord sur le mécanisme électoral là, conformément à l'accord politique qui s'y est entre secteurs. Jusqu'à présent, il y a quatre candidats pour poste président là. Docteur Louis Gérald Gilles, Edgar Leblanc fils, Fritz Alphonse Jean et Leslie Voltaire. Depuis plus passé une semaine, gen divers jeux alliances qui mettaient en place à grand compte qu'a fait tout un groupe qui proche. C'est un secteur intéressé par élection sa yo a joué quatre lantou en fonction de intérêt yo. Bien que conseil la poko eli yon chef pour diriger CPA, yo trouvé un accord rapide sur deux priorités. Sécurité et assainissement dans la zone métropolitaine. Dans ce qui concerne assainissement, responsable TPTC, CNE, SNGRS et mairie dans la région métropolitaine, yo invité dans une rencontre spéciale. Il y a une réunion qui prévoit tout sur sécurité pour journée lundi 29 avril, dans l'idée pour aborder grands défis dans le domaine ça. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince. Pouvez voir créole. Yo, gras! Merci beaucoup. Alors, entre-temps, le conseil a joué un support bon côté communauté internationale là, gen CARICOM qui pote support yo. Kenya annonce li paye pour prendre tête et proton, donc tête et force sécurité qui parle en Haïti. Yo, côté déjà gen 7 pays et africains, asiatiques avec Caraïbes là qui confirment participation yo. Donc, la pression a fait tout entre-temps pour que le conseil a bas résultat rapide de presto. Alors, c'est comme ça, tout, mais opinion partage tout. Il y a un groupe qui est toujours pas d'accord avec l'installation du conseil là qui te préféré, il y a un cours de cassation, il y a même cours de cassation digi transition. Mais il y a un groupe qui vient et qui dit que, bon, quoi qu'il t'a nécessaire de préférence, que la présidence du conseil là t'a fait par rotation. C'est ça que Renan Toussaint Pral dit nous avec un invité. Maître Wilson Joseph,
leader mouvement jeunesse pour refonder Haïti, MJRA, avec Debout Patriote qui fait partie collectif 30 janvier, dans le cadre d'accord politique qui accouchait conseil présidentiel transition, encourager membres CPO faire élection pour présider structure ça par rotation pour capable éviter retard par rapport à mission yo vis-à-vis problème peuple haïtien. En nous garder un format comme ça 3 x 7 21 nous gagne 7 monde qui était pral ban un espace que était pral diriger là qui était pral ban en fin de 3 mois chaque monde passé et laisse ça pas t'a bien tout enjeu ça. Et l'envoi et jouer élection pas qu'à faire, bon, enjeu, ça veut dire qu'il y a un groupe qui voulait faire mes mises. Et groupe qui toujours voulait faire mes mises, nous tous connaissons, bien sûr. C'est monde qui voulait douane, c'est monde qui voulait port, c'est monde qui voulait frontière, c'est monde ça, qui toujours voulait espace ça. En tout cas, élection pour choisir un président pour présider conseil présidentiel, l'an fixé pour mardi 30 avril 2024. Après ça, même CPO prend le travail, ou capable de choisir un nouveau premier ministre. Maître Wilson Joseph dit, premier ministre, doit comprendre terrain politique et social dans le pays. Nous avons besoin de premier ministre, qui est haïtien, qui est capable de maîtriser la situation à terre. C'est bien. Ça, je veux dire, situation qui là, son monde qui est en cause, qui comprend ça, va faire ça. Mais ce n'est pas un job. Vous voulez dire l'aspect sécuritaire? Aspect sécuritaire. Son aspect débordé, même sécurité alimentaire. Okay? Bien que plus gros mission que moun sa ou gen, c'est ban nou sécurité rentrer dans l'élection. Yo pas capable choisir un moun kap vin chache un job. Faut choisir un moun kèl an dan peyi a qui décide que, qui dit que peut pas ici nan dilemme cette fois-ci, men kote n'ap sorti. Et ça m'ap tan yo. Depuis premier ministre fin nommé la Voix d'Amérique, m'a parlé avec eux pour me dire ça me passe. Ça veut dire ou pas partager opinion comme si pour le premier ministre qui a sorti de la diaspora. C'est une sortie de la diaspora comme pays. Mais si des gens qui ne sont pas comme pays du tout, c'est le job qui a venu faire. Bah, qui est intérêt de rentrer là. Il y a un haïtien qualifié, il y a un haïtien compétent là, qui est capable de diriger la question. Là, ils n'ont pas qu'être hypocrisie dans la question ça. Parce que chaque fois, mon nom, en rentrer sur le football, ils ont une connaissance pour venir faire sur le terrain. Parce qu'il y a un terrain, ils ne connaissent pas. Maître Wilson Joseph annonçait que il a déjà à travailler sérieusement avec plus passé une trentaine partis politiques sous base d'un autre accord politique qui gagne pour la prochaine élection générale qu'il gagne pour organiser en un pays d'Haïti. Renan Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. En parlant de sécurité, autorités ont installé un série de conteneurs dans l'entrepôt national là, justement pour protéger, d'après ça, on dit, pour protéger en attendant conserve, pour permettre que le conseil présidentiel là fait travail là. Mais quelques citoyens qui sont dans l'entrepôt national là, eh bien, ils sont pas contents du tout avec le travail ça, Machado Vilmé. Quelques citoyens qui fait connaître, c'est un moyen pour faciliter même conseil présidentiel la rentrée dans le palais national, dénoncer mes ici là, yo dit qu'il pas viser combler attente yo te gagner des conseils là. Si conseil c'est qui est conseil présidentiel là, absège dans le palais national, parce que les bonnes mesures de sécurité pour le prendre. Mesures de sécurité là, c'est pas mettre des conteneurs pour barrer des périmètres, pour fermer un espace tout côté où monde passe puis que ton seul espace que jeune route puis rentrer dans le national mais c'est pas mais c'est qui t'a pu protéger mais si tête yo a barré des espaces avec conteneur ou ça tout garçon espace mais du rentrer dans le national et oui ah oui ça retourner la gueté bois bon dit depuis les coups c'est la fin est salée moi c'est tirer les cap mettre tout côté là tous les quatre pieds il y a m'a dit monsieur peuple pas travailler pour ça journée je dis au niveau de Chelmas moi Chelmas qui sont territoire perdu. Mais si elle m'a dit ça, c'est pour conseiller la responsabilité. Pour retirer la population dans sa liée, mandé, sécurité, dialogue, élection. Fermé, pas bon. Ça veut dire que le peuple a un côté pour le coup, côté pour le marché. L'État pour la sécurité et pas fermer la sécurité à ça. Sécurité à nous demander avec l'école d'hôpital. Moi, je suis de conseil là, pas bien résultat. Oui. Parce que si tu as bien résultat automatique, avant conseil là, tu as pris une pièce qui est président. Si jusqu'à présent, comme pour un président, on a un chirépite qui est interne, qui est dehors. Mais je vais dire à la papa, peut-être même menti. Il y a un barré par le périmètre là, il y a un barré jusqu'à Borex. Qui est barré tête, nous pas pour. Si là, il y a un barré.
Moi mais ça nous gagne pour gagne sept présidents pas j'aime quoi avec président un jour. Nous bat quoi nous trop. Chaque président nous gagne bon président ça ne fin voter. Blanc vient prendre ton nom, vient prendre salon pour la... c'est comme ça nous qu'on y est dans la rue. Et pour nous gagne sept présidents pas j'aime quoi avec un dans yeux. C'est sous Zoom, sous Twitter, sous X allez qui le. Nous quoi ça président. Nous pas vrai. Un président met barricade pour nous. Pour ne pas avoir passé flou, il n'a pas flou. Il sécurise l'espace, il a passé, s'il vous plaît. Non, président, c'est cool, let's go. Conseil présidentiel transition, il y a un ultimatum pour gagner un allemier dans le pays. Trois mois, Mario. Parce qu'après oui. 90 jours, supposé qu'on lecture, supposé qu'on message qui voyait, supposé qu'on synergie qui voyait. M'baï, de tes jours. Quel jour, mais m'baï? Sept mois, on va cacher ensemble. Pour réunir Christophe Ya, même Dev, nous sommes 57 fois, nous-mêmes, nous allons être presque habité dans le champ masse. Nous allons café barré. Le masse ni en haut ni en bas. N'après les bières barrées volées. N'a pas rappelé, jeudi lundi 29 avril 2024, là, fait exactement deux mois depuis gang assiégé capitale là. L'hôpital, l'école, faculté, aéroport, banque commerciale, commissariat pour citer ça seulement. Pas épanoui. Ambassade groupe civil américain. Depuis Port-au-Prince, moi, c'est ma servie de mes, pour VOA Créole. Nous, vous pouvez aller dans Ville-au-Cap, côté citoyen, tout bas, opinion, tout sous installation, conseil présidentiel, transition, ça, Fred Kaimit. Haïtien, dans la deuxième ville d'Haïti, au Cap, dit sécurité, c'est priorité pour vous après installation, conseil transition, qui fait jeudi 25 avril. Là. Conseil présidentiel, là, est pour mission. Mette stabilité dans le pays qui ravage. Ça qui l'a gagné pays dans un désordre total avec la misère. Il y a un pile monde dans le pays qui baille opinion pour dire que le conseil n'a pas représenté yo et il y a un doute sur lui. Tant que Merylis Piontil qui dit qu'il n'a pas reconnaître l'autorité conseil là et que l'État essaie de bailler support lui pour ancien policier Guy Philippe pour prendre le pays. Installation ça, son installation nulle parce que nous pas reconnaître yo. Nous pas reconnaître. D'ailleurs nous-mêmes nous reconnaissons citoyen qui est Guy Philippe là que nous avons besoin de mettre sous pouvoir. Malheureusement, malheureusement, c'est pour me dire que Guy Philippe c'est le président pays. Pas gagne l'autre monde encore, pas gagne pas le choix. Comme ça c'est pour destruction yo. Et a fini mal côté yo. Guy Philippe qui était démené un coup d'état en Haïti en 2004. Et puis, il est retourné dans les îles Caraïbes là après il était fini passer une sentence dans la prison aux États-Unis. Il a déjà dit il voulait venir président pays. Il y a l'autre citoyen au Cap, Patrice Agenor, demandé est-ce que le conseil présidentiel là a bataille contre gang. Quand il y a là, le problème de ce soleil est obtenu, est-ce que ça a été goûté coup de bandit? Pas même besoin de chaque jour. Est-ce que ça a été allé? Si ça a été allé, après toi. Dans le pays, il y a toujours une actualité concernant le pays d'Haïti, encore des difficultés techniques. Qui a quitté le poste premier ministre provisoirement? Violent. Bon. Et nous avons toujours été dans le pays d'Haïti, nous parlons en Italie, parce que nous avons vu de Venise en Italie. Et côté Pape François qui a visité ville Venise en Italie, eh bien, bon, lui-même, tout est compensé spécial pour Haïti, en allant à près. Penso ad Haiti, dove è in vigore lo stato d'emergenza e la popolazione è disperata per il collasso del sistema sanitario. Parole devant plusieurs milliers de fidèles sur place Saint-Maclan en Venise en Italie, dit il t'a réfléchi sur souffrance peuple haïtien à faire face journée jodia. Pape là t'a déclaré population à vivre dans désespoir à cause effondrement qui gagne dans le système de santé, manque manger avec violence qui force moun yo courir abandonner kayo. Souverain pontife là t'a dit tout il espérait nouveau conseil présidentiel transition t'a capable aider Haïti joindre la paix à instabilité que li besoin. Pape là t'a mentionné tout inquiétude li pour conflit dans Ukraine avec violence dans Gaza, deux zones la guerre a ravagé. Ouais, c'est
dans l'occasion spéciale, ça, dans l'occasion de ça, que Pape François a décidé dans la place à San Marco, à la place Saint-Marc, qui est même dans Venise, en Italie. Et nous avons quitté l'Italie, donc même si nous avons été pour aller à Haïti, nous avons quitté l'Italie, nous avons parlé dans le Moyen-Orient. Côté secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, et bien, il fait une livre dans la zone, dans quatre visites, il était en Asie d'abord, et puis il a fait une visite là. Et il a annoncé que la prêté, d'après sa débat, nous a fait connaître, la prêté dans le Moyen-Orient, jusqu'à mercredi pratiquement, pour le capable ouais s'il capable encourager un cessez-le-feu entre Israël avec militants Hamasio et qui déjà on a dit que Israël déjà font proposition et proposition ça c'est d'état Blinken fait qu'on a lui suggéré que Hamas t'a de saisir opportunité ça il a dit que monsieur Hamasio depuis lundi matin il est déjà dans ville Caire en Égypte côté à prendre connaissance des propositions Israël fait nous va joindre et collaboratrice non Marius Pierre pour plus de détails. Secrétaire d'État États-Unis Anthony Blinken, rivé dans Arabie Saoudite lundi 29 avril là, première étape dans un grand voyage l'a fait dans le Moyen-Orient. Blinken pour le concentrer sur effort pour garantir un cessez-le-feu dans Gaza, ça qui t'a qu'à libérer otage et puis assurer aide humanitaire dans enclave là continuer au soir augmenter. Dimanche, porte-parole sécurité nationale Maison Blanche John Kirby t'a dit sur chaîne télévision ABC semaine ça États-Unis a continué pousser pour un cessez-le-feu 6 semaines dans la guerre qui presque gain 7 mois dans Gaza entre Israël et militants Hamasio. Secrétaire d'État Blinken fait un chita parler avec prince couronné Arabie Saoudite là et avec premier ministre Mohamed Ben Salman jeudi lundi avant de voyager dans l'autre bord la rivière Jourdain avec en Israël côté d'espérer rencontrer avec premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et puis avec l'autre autorité replacée. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Dans l'autre point qui domine l'actualité, qui est pour tout avec les conflits dans le Moyen-Orient, nous avons soutenu les présences du secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans la zone, et bien, ici aux États-Unis, étudiants continuent à manifester, et pendant le week-end, pas trop différent de ce qui est passé déjà, mais étudiants ont manifesté, et justement, pour dire qu'ils pas d'accord avec la guerre que Israël a menée. Et dans le territoire Gaza, et il dit plus fort victime, ce n'est pas, c'est pas groupe Hamasio, mais plus fort victime, c'est la population palestinienne et surtout ces femmes avec Timon. Nous prenons New York, nous prenons un collaborateur, nous prenons Valérie Saint-Louis. Élève qui t'a manifesté contre la guerre Israël à Hamas là dans campus collège à université américain yo fait connait que yo pas camper manifestation yo et yo promet pour yo continuer manifester après que quelques responsables université yo t'a fait manœuvre pour fermer et retirer campement attente qui yo mettait sous la cour école yo après que un rapport qui sorti montrait que t'a gagné parmi manifestants yo quelques élèves qui t'a mené activité antisémite. Manifestants yo te mettait tente sous gazon la cour Columbia University dans New York depuis semaine passée. La police t'a essayé nettoyer et fait évacuer manifestants yo dans date 18 avril qui s'est passé là, là yo t'ai arrêté plus passé 100 étudiants qui t'a manifesté. Mais mouvement t'est fait carré à continuer. Élèves Columbia University yo t'ai regroupé et mouvement t'est inspiré l'autre élève à travers pays ya et ba yo motivation pour yo faire manifestation yo même tout. Bien bonnet dans semaine passée, l'école Ivy League yo qui c'est un groupe 8 collèges avec université privée et prestigieux ici aux États-Unis, t'ai changé système apprentissage yo. En pile dans classe yo t'ai obligé fait à distance sur internet. Avec chiffre quantité moun ki mouri k'ap augmenté dans la guerre à Gaza et depuis là étudiants université Columbia dans New York t'est campé pour montrer support pour Palestine dans commencement mois ça, ça t'est créé une vague manifestation dans l'autre campus ici aux États-Unis yo. Et manifestants yo à travers États-Unis t'a demandé pour l'école yo couper lien financier yo avec peuple Israël là. Manifestation pro-palestinien ça yo qui gagne la tête yo étudiant arrivé dépasser frontière les États-Unis dans pays Australie. Plusieurs douzaines étudiants t'est établi yo campement dans université Sydney. Plusieurs milliers moun t'est marché manifesté dans la rue Madrid dans pays Espagne. Yo t'ai levé drapeau avec banderole pro palestinien yo pour mander un cessez-le-feu, un suspend tiré immédiat dans Gaza. Dans ville Londres, capitale pays Angleterre, à peu près 250 000 monde t'ai participé dans manifestation pour mander un cessez-le-feu, suspend tiré dans Gaza d'après organisation campagne solidarité Palestine. Bon côté pa yo gen quelques étudiants juifs qui dit que manifestation yo t'ai vinn tourner antisémite.
Yo croit que manifester ou gen préjugé contre yo au soir raï juif pareil yo, ça qui te fait que yo te peuple yo mette pied yo sous campus l'école yo. Nan Gaza pendant weekend nan plusieurs élèves ak fami yo te exprimé reconnaissance yo envers manifestation pro palestinien yo qui te blahi tout partout nan université américain yo nan semaine qui s'est passé là. Palestinien yo tap kembe banye ak sin que organisation qui relé Hamas Media Office te distribué ba yo. Renad Anan qui se relève palestinien qui obligé échapper pour li kou qui te la cali a famille te dit: nous te vin transmettre un message by tout le monde, et spécialement à étudiants américains qui te vin camper bon côté étudiants dans Gaza et pour supporter yo. Yo te démontré solidarité yo et yo te fait tout ça yo capable pour supporter nous, même si c'était juste un petit geste, ça veut dire en pile. Jana Anasser, lui même tout étudiant palestinien qui t'échappé pour lui quitter zone là à cause bombardement israélien yo. Jodia, nous camper en solidarité avec étudiants américains qui t'ont supporté nous et qui t'ont bannou espoir pour l'avenir nous avec droit pour éducation nous. Moi t'ai commencé gain espoir que attaque ça yo k'ap fait contre nous a capable fini et que nous t'a capable continuer avec la vie nous et puis continuer étude nous. Ça t'ai ban plus espoir avec l'ambition. Moi paré pour me finir étude moi yo et puis pour me ta gon avenir. N'a rappelé que militants Hamas ont organisé une attaque sans pareil sur peuple israélien en date 7 octobre là qui détruit environ 1170 monde d'après officiel israélien. Militants palestiniens ont pris à peu près 250 monde tout en otage. Peuple israélien estimé 129 dans yo rete dans Gaza qui gagne la donne 34 militaires yo dit qui mouri. Représailles offensives israéliennes ont détruit au moins 34 454 monde dans Gaza. Parmi yo gagne surtout femmes et monde d'après ministère santé que Hamas a dirigé. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valerio, une nouvelle qui a rapport avec nouvelle ça, un groupe professeur dans le territoire Gaza transformé yon série de temps en cours sa classe pour bay ti moun Palestine qui parle l'école depuis la guerre a été commencé entre groupe armé Hamas là avec l'armée israélienne depuis cette que passé à détail avec Gentil Augustin Junior. Nan kan Younis ak Dehalbala nan Gaza, tant yo te transforme tan kou sal klas improvize, plein ak ti moun ki anvi retounen l'ekol. Rejon Gaza te defye chak sikonstans li te travesse, e pa gen anyen ki te empêche nou fini edikasyon nou an. E pi jodi ya, elev nou yo gen droa pou yo fini etid yo. Pa gen moun ki gen droa empêche jwenn edikasyon ak la gen kom yon eskiz. La gen pa jam yon eskiz. Nous t'es dans la guerre toute la vie nous. C'est vrai que ça c'est la guerre qui plus difficile que Gaza t'es jamais et peut-être la guerre qui plus difficile internationalement. Mais je dis ya, élève yo très au courant de éducation yo. Nan j'ai fort pour résoudre problème nan, kek professeur nan enclave la te lancé yon initiative volontaire pour mener ti moun yo tourner nan liv yo. Nan salle classe improvisée qui te créé nan tente, yon nan professeur yo te expliqué pour ki sa yo te fait choix ça. Nous te ouvri l'école ça parce que nous te capable wè petit nou yo. Petit zanmi nou yo ak l'autre moun pat capable retourner l'école. Kit yo te pi piti, kit yo te pi grand. Et puis yo tap avancé et yo te réussi bien l'école. Donc, nous te ouvert wow. L'école ça sou yon base volontaire ak effort particulier nan mes frères nou yo nan pays l'Égypte. Jodi a, n'ap resevwa an pile élève et gen yon gros quantité k'ap tann toujou. Nou pa kapab resevwa tout. Pi fò l'école Gaza yo kounye ya, pa plis ke building criblé ak bal. Papye ak liv déchiré ki gaye nan sal klas dévasté yo. Tout bagay sa yo, se yon rappel tris sou éducation ak rêv moun ki représente avni Gaza. Nou pèdi tout yon lanè l'école. Nou la nan tant yo pou kounye ya ak éducation nou. Se pa yon problème ke nou nan yon tante. À connaissance, nous bâti nation yo. Presque 7 mois après la guerre a commencé dans Gaza, en pile l'école t'est détruit pendant bon yo t'est raté presque yon l'année l'école. Gen kek ki pot ko jam commencer l'école. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Miami. Na rentré ici aux États-Unis, bien opération nettoyage commencé dans plusieurs villages dans Oklahoma avec l'autre côté, un reportage. Alors après yon tornade qui frappe plusieurs zones dans zone dans côté ça yo sans la lumière pour plus de détails. Plusieurs boucles dans Oklahoma, un état qui est situé dans le centre-ouest États-Unis, tant un processus nettoyage après une série de tornades qui crase kay ak building pendant week-end. Il y a au moins 4 moun qui mouri parmi yo yon petit bébé.
Dégâts ont été massifs lundi dans la communauté qui relait Sulphur, côté une tornade crasé building en bas la ville et puis retiré trois cailles dans un espace qui couvrit 15 blocs. Département urgence Oklahoma dit l'hôpital a rapporté à peu près 100 blessés parmi eux moun qui dit c'est débris qui frappé yo. Responsable la Maison Blanche yo dit président Joe Biden t'est parlé avec gouverneur état Oklahoma Kevin Stitt dimanche et lui offrit monsieur tout support gouvernement fédéral là. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra Lemaire. N'a pas hérité toujours ici aux États-Unis. Il y a plusieurs activités pour marquer la journée internationale autisme, qui c'est d'ailleurs moi-même, moi, avril la même, qui c'est moi et autisme même. Alors, dans New York, côté nous jouons avec journaliste Glorieuse Nelson, qui pourrait parler nous de une activité qui est marquée une journée samedi. Mois d'avril considéré comme moi pour prendre conscience sur condition monde qui vit avec autisme. Pour clôturer moi ça, Autism Favonine et Haitian American Alliance réalise une conférence dans la date 27 avril 2024 là. Événement c'est là qui fait dans Brooklyn, te réuni parents et proches du monde qui diagnostiqué avec autisme, professionnels dans domaine là avec l'autre acteur. Nous avons pile petit monde qui a souffri ou bien bon m'a dit souffri c'est pas maladie. Nous avons pile petit monde qui a diagnostic autisme dans la communauté hein. Cela veut dire que toujours un stigma. Et nous pensons que c'est très important pour nous aider les communautés, pour nous chita, pour nous faire causer sur l'autisme. Différents intervenants qui étaient présents dans la conférence, c'est là, fait qu'on est autiste pas une maladie. C'est une condition qui demande des soins spécifiques. Plus vite diagnostic l'en fait, plus vite si nous capable de joindre accompagnement les mérités. Et autisme, c'est un bagage qui fait un test sang ou bien un test urine pour connaître, c'est un développement normal. Un petit monde, ça nous est les milestones ou pour aller le petit monde a développé de traits qui ont alarmé ou pour aller vers spécialiste. Donc, processus qui s'allie. Lorsque vous avez des développements normaux qui ne sont pas faits, par exemple, si vous avez répété mot ou bien la plongée de l'ouest, ils sont bagailles à l'âge de. Quand il y a plus bonheur, il doit 18 mois. Lorsque si mon nom la malson ça ou pas développé, qui sont pral ou pral ka pédia tout vous faire connaître. Ressources pour aider moun k'ap vive ak autisme disponible aux États-Unis. Faut parents si moun ki gen trouble ça ou pas cacher et puis chercher aide. Youn nan conseiller municipal ville New York, Rita Joseph qui lui même tout est intervenu aussi là, fait qu'on est important pour information si qu'il est dans communauté haïtienne nan. Sous question si. Et en pile monde, il a toujours pensé que langage son c'est un barrière lié et je dis nous prouver que li pas en barrière. Si ou al côté ou vle dans New York, nous gain make sure que ou ka jwenn information dans 9 langues yo, surtout dans éducation. So ti moun ki gen autism, gen côté pour faire screening pour yo, gen l'école spéciale pour yo, gen thérapie spéciale pour yo, mais c'est le bagage c'est information pour connait qui côté. So n'a retiré barrière pour sa jeune information pour mener Timounou à aller dans programme ça. C'était également occasion pour participants de faire réseautage et puis partager expérience. Parents qui étaient sous place, yo fait connait li important pour plus moun éduquer sur autisme. Ak accompagnement nécessaire yo, en pile Timoun qui fait autisme rivé développer capacité yo. Dans quel cas cependant, parents pral jouer un rôle constant dans la vie Timoun ça, même les li vini légalement yon grand moun. Suspend juger une lotte. OK, essayer comprendre qui ça nous même n'a passé en tant que parents. Parce que 18 ans, 21 ans, tant pris, mettre nous dehors, parce que balan pas facile du tout. Grand pile programme pour les autistes. Autisme c'est une disability qui développe plus dans pays États-Unis dans dernière année ça yo. D'après dernier chiffre CDC yo, sous 36 ti moun ki fèt, youn la dan yo diagnostiqué ak autisme. Moi c'est Glorieuse Nelson depuis Brooklyn pour VOA Creole. Merci, Glorieuse Nelson, pour partager ça. En tout cas, nous avons que grand point qui s'est dominé l'actualité. D'abord, nous avons visité le secrétaire d'État américain à Fenamarinoyen, justement, donc, Jeff Hope, pour essayer de cacher un cessez-le-feu entre Hamas avec Israël. Donc, en compte ça, les propositions sont déjà là, déjà, et M. Blinken a demandé, M. Amasio, pour t'a sauté sur l'occasion ça, pour t'a accepté. Mais l'objectif là, c'est, ouais, dans quelle mesure capable de libérer Otay ça. Et puis, dans le pays d'Haïti, suspension toujours là, toujours ces conseils et présidentiels transition hein, qui lui-même a réuni. Justement, il a été annoncé, d'après tout ça qu'il dit, demain, la presse à table présent, les conseils après l'organiser élection, pour être désigné un nouveau
président ou bien un nouveau coordinateur général pour conseil là. Moi c'est Jean Bafrid, nanon gentil, nanon Jean-Marc Everabella avec Frère Camille. On dit tout le monde gros bonsoir et na encore demain. Moi dire merci parce que t'as suivi avec attention, merci pour fidélité ou ak patience ou moi pour aller m'a quitter on bras papa Bodje parce que c'est lui même celle qui capable protéger bon la vie avec la santé. Bonjour bonsoir tout le monde, non pas monsieur Foucault. Bisous bisous, one love et à demain. 7h.